C'était ma première résidence. Et du coup, je commence avec une résidence itinérante de 6 semaines. C'est pas mal. Cette résidence, c'est l'occasion pour moi d'écrire un récit sur la Bretagne, d'être vraiment sur ce que j'apprends de son histoire. Et c'est une fiction, donc j'ai le droit de faire un peu ce que je veux dans mon récit et de faire passer les messages que je trouve intéressants, surtout pour un public jeunesse. Là, la contrainte de la résidence fait qu'on est vraiment beaucoup dehors et sur des temps très très courts, donc ça nous oblige à travailler plus sur le mode du carnet de bord. Mettre en scène le patrimoine, je trouve que ça n'a du sens que si on n'en fait pas une image idéalisée et que si on le représente dans l'état actuel des choses, dans son interaction avec des éléments contemporains, enfin de notre vie quotidienne. Et le fait de voir plein de petites cités, c'est extrêmement stimulant. Ça nourrit le regard et forcément, en fait, ça va impacter ce qu'on fait et ça va donner une nouvelle forme à ce qu'on fait, une nouvelle dynamique. Ouais, chaque village, c'est une expérience différente, une expérience artistique, humaine, différente par rapport aux gens qu'on rencontre et puis au patrimoine que le village possède. Qu'est-ce que je voulais montrer du village? Donc là, c'était vraiment plus ce tissu urbain que je trouvais intéressant, avec les venelles et les ruelles sur celle-ci. Donc complètement en contraste avec l'Ocronan, où c'était beaucoup plus la nature que je voulais mettre en avant. Et bah selon les cités, je suis inspirée de manière assez différente. Ça peut être certaines cités, c'est plus des personnes qui m'ont interpellée, qui m'ont touchée. Donc j'ai plus travaillé sur quelque chose de l'ordre de l'être humain ou du discours, de l'ambiance. Et il y a des fois, ça va être plus les paysages, ou juste un bâtiment. Vous voyez, comme là, chez Claudette, c'est un papier peint. Pour moi, l'époque qu'on vit actuellement, elle n'est pas facile. Du coup, j'apporte une touche de fantaisie. J'ai appris, en fait, à force d'observer, que la magie, elle est là, hein. Elle existe toujours. Il faut juste arriver à calibrer son regard et son moral pour la voir toujours, cette magie. C'est souvent pendant des conversations avec les gens que je capte ma matière qui va me servir à faire les planches de bande dessinée. Bah, y a le truc magique du dessin qui fait que les gens viennent vers toi automatiquement et viennent te parler. Et j'essaye de faire donc de la bande dessinée. Donc, je suis la première semaine à La Roche-Bernard. Donc c'est ce que j'ai appelé des proto-BD, quoi. J'ai fait des dessins d'observation sur des lieux qui me touchaient parce qu'il y avait quelque chose de particulier. Comme là, c'est juste un escalier avec un énorme chêne qui a poussé dedans. Et ensuite, je faisais dialoguer, bizarrement, ces deux personnages, quoi, une grand-mère et un ado. Je sais pas, c'est que chaque année, j'ai l'ambition de faire une BD qui révolutionne le monde et qui parle des manières d'habiter, des enjeux de paysage, de la politique de gestion du territoire. Et donc j'ai cherché quoi, des manières d'exprimer les habitants, les territoires et l'espace, et j'ai l'impression d'avoir trouvé. Je travaille plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre du reportage graphique, donc de la bande dessinée un peu documentaire, un peu comme... Moi j'aime bien m'incruster dans des environnements de travail des gens. J'aime bien aussi rajouter des bruits ou des choses qui font que le dessin est pas seulement une image, mais parle aussi un peu. Et c'est pour ça que c'est un peu mon angle d'attaque BD dans cette résidence. J'aime bien trouver des moyens de faire rire, parce que ça permet d'avoir un décalage avec la réalité. Et si on veut dénoncer quelque chose, souligner quelque chose, montrer l'absurdité de quelque chose... J'ai pas forcément l'angle patrimonial... C'est pas forcément ce que je montre au premier plan. Moi, c'est une BD comique, donc je raconte des blagues, des choses cocasses, on va dire, qui se passent. Et le côté des villes patrimoniales, il sert d'arrière-plan. Mais en même temps, j'aime bien que ça soit exact.